Hello Dodo Family, c'est Pidi. Attends, je refais. Hello Dodo Fa... Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça y est, je ne sais plus faire d'intro. Hello Dodo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va essayer de faire une pizza d'Halloween parce que comme vous le savez, eh bien, on est dans le thème. Voilà, ça tombe tout pile. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va faire une bonne petite pizza. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur notre plan de travail. Ça va être... une pizza basique au final, avec des olives, du coulis de tomate, de la mozzarella, du gruyère. Tout ce qu'il y a de bien pour une bonne pizza, mais on va juste jouer la carte de la technique. Parce que souvenez-vous, dans mes recettes un petit peu de l'année dernière ou encore de l'année d'avant, c'était pas très technique tout ça, entre le gâteau au cerveau... Ça te correspond tellement là, comment c'est mis en vrac. Ou la petite citrouille d'Halloween. Oh, c'est quoi cette merde là? Il n'y avait pas trop de technique. Là, cette année, on va essayer de faire une pizza qui fait peur. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Surtout, et dire bonjour aux petits fantômes. Allez, c'est parti, générique. Alors, ne me jugez pas, la pâte n'est pas maison, mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, on va essayer de jouer la carte de la technique. On verra bien déjà si la pizza est belle et si elle ressemble un petit peu au thème d'Halloween. Allez, c'est parti, on va mettre le coulis de tomate, pas trop, hein, parce qu'après, c'est pas ça qu'on veut forcément. Voilà, et on badigeonne. Bah, je pense qu'en vrai, ne serait-ce qu'une cuillère à soupe... Je pense qu'on est bien et je vais pas en remettre plus. Alors, regardez ce qu'on a du cheddar. Donc en fait, regarde, rien de plus simple. On va prendre carrément nos petites tranches de cheddar qu'on va couper en lamelles. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on coupe des petits bouts. Et on parsème sur ma pizza. Bon, on va être généreux parce que de toute manière, Valouze sera là pour la déguster forcément. Et vous savez que Valouze est un grand mangeur de cheddar. On va être généreux. Alors là, il commence à avoir de la gueule, là. Alors, ce que je vous ai pas dit, et la particularité de cette pizza, c'est qu'elle va être cuite en deux temps. C'est-à-dire que là, on a mis la base tomate avec un petit peu de cheddar. Donc, la pizza, elle va partir au four 10 minutes, et on va faire cuire les œufs de caille pour que ça puisse faire les yeux sur la pizza, en mode comme ça. Voilà. J'en ai jamais cuisiné, du coup, je suis curieuse de voir un petit peu la quantité qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Donc, je suis vraiment... Oh là là, putain, mais en tout cas c'est solide, hein, what the fuck. Ok, donc c'est parti pour la cuisson de 3 œufs de caille. Ah, je suis curieuse de savoir, hein. Allez, c'est parti. Oh, alors déjà, casser un œuf normal... What? Mais attends, mais c'est hyper dur. Oh, ah merde. Yes, celui-là il est bien, putain. Alors pour celles et ceux qui en ont jamais fait, du coup, eh bien tu peux bah, forcément en mettre sur vos pizzas, dans vos raclettes, donc que je n'ai jamais fait, ou alors accompagner d'une salade. Archi cool. Alors forcément c'est très petit, donc c'est hyper rapide à cuire. C'est là que la mozzarella arrive en action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la couper en tranches et essayer de faire des fantômes. Déjà, elle s'émiette pas ou elle s'effrite pas, donc c'est un bon point. J'arrive à faire des tranches, donc ça, tu vois, déjà, c'est pas mal. Comme ça. Et attends, c'est pas mal ça, non? Avec des yeux ou quoi? Là, ça y est, c'est l'instant créatif. Oh, regarde-moi ça, c'est pas mal ça. On va essayer de couper là pour que ça fasse plus arrondi. Et en vrai, je pense que ça peut être pas mal, hein. Voici mes fantômes. Voilà, là on va essayer de couper des olives noires pour essayer de faire des araignées. De toute manière, je vous mets en description la recette que j'ai trouvée sur internet. Donc là, ça va être le plus compliqué, c'est qu'en fait l'olive, ça va être le dos de l'araignée en fait. Et ensuite, avec ce qui reste en noir, on va essayer de faire des toutes petites lamelles. Voilà, donc genre comme ceci. Et on va essayer de faire bah, les pâtes en fait. Putain, mais... Ah, ça fait déjà 10 minutes ma pizza. Waouh, chaud devant. Eh bien, écoute, ça a bien cuit. Mais ça le fait de ouf là. Ça sera sûrement plus représentatif sur ma pizza. Ok, donc nos araignées sont presque prêtes. Nos fantômes aussi. Ça va être le moment de reprendre notre pizza et commencer à pouvoir mettre du coup nos fantômes et nos araignées sur la pizza. J'ai remis un tout petit peu de cheddar sur la pizza que je viens de faire fondre. Enfin, c'est plutôt du gruyère. Parce que, avouez que là, elle est encore un petit peu chaude, mais elle a plus de gueule. Qu'on va faire, ça, on
va mettre les petits fantômes, du coup. Maintenant, on va y ajouter nos petits œufs. Voilà, je suis hyper stressée de les prendre, j'ai pas envie de les casser. Coucou! Salut les loulous! Tu fais quoi? Je fais mon petit atelier. Mais tu m'as... Qu'est-ce qui se passe, loulou? Je sais pas, je suis perturbée là. Quoi? Ah ouais, t'es en vidéo? Bah oui, je suis en vidéo, t'avais pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Non, mais... Je me disais, bah attends, mais pourquoi t'as mis la lumière comme ça aussi? Alors, chaud devant pour le deuxième œuf. Voilà. Alors, dernier petit œuf. Ah, il est beau celui-là. Petit œuf? Ouais. Et Nadia? Ouais. Voilà. Ok, là je suis plutôt sereine. Parce que ça ressemble un petit peu. Bon, mis à part mon jaune d'œuf qui est cassé là. Mais sinon, sinon je trouve ça cute, hein, ça y ressemble. Alors c'est parti maintenant pour mettre les araignées. Ah là, le niveau concentration, les gars, je suis au max, putain. Waouh, au bout de 15 minutes de concentration pour faire les pattes d'araignées, les gars, ça ressemble à quelque chose. Ah, je suis fière de moi là, les gars. Attends, je vous montre. Regardez ma petite pizza. Elle est belle ou pas? Attendez, parce qu'il manque un petit peu le sang avec le ketchup, tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va juste la mettre au four vite fait pour faire fondre la mozzarella. Ah, mais là, j'ai une déception énorme sur la cuisson de ma pizza, les amis. Mais regardez-moi ça. Il n'y a plus de fantômes. Mais oh, je suis trop deg. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le ketchup et on va entourer nos yeux de ketchup pour que ça fasse un petit peu du sang. J'ai peur que ça spitz d'un coup là. Ah, c'est bon, ça sort. Oh, je suis nulle, hein. Ah, mais ça fait des crottes, bordel de merde. Les gars, niveau sang sur les œufs, c'est pas du tout, mais pas du tout fameux. Ce qu'on va faire, c'est prendre le balsamique et du coup, au bord. Nickel, franchement, nickel. C'est trop laid. On dirait une pizza d'enfant, les gars. Alors... C'est marrant, mais on dirait un peu une pizza de CP. C'est vrai qu'on dirait une pizza de CP, hein. Une pizza de CP, on dirait que t'es un CP, Kiki. Mais loulou. Ça sent que tu as mis ton amour, hein, mais... Lui, et j'ai même pas envie de goûter cette part. Mais chaton. Bah, t'as mis quand même beaucoup de... Mais ça se mange, du coup, elle est bonne. Bah, ouais. Y'a que des trucs bons dedans. Ok, est-ce que tu veux la goûter? Ouais, mais pas trop cette part. Moi, je veux plus goûter une tête de fantôme. Bah, je pense que ça va pas être la meilleure pizza que t'as goûtée de ta vie, hein. Ma petite part, elle reste marrante. Viens, la mienne. Toi, on dirait qu'il y a un œil dessus. Moi, il y a une petite araignée et un fantôme. Bon, on goûte? Bah, j'ai déjà goûté, moi. Alors? Bah, la pâte, j'avais pas vu. C'est vrai? C'est pas bon du tout. Je n'osais pas le dire. C'est dégueulasse. Pourquoi? En fait, la pâte, elle est vraiment pas cuite, en fait. Non, bah les gars, je pense qu'elle est bonne. Quoi? Quand tu touches ton olive, c'est bon. Ah ouais? Ouais, ça relève le goût. En fait, elle est bonne. Moi, j'adore le ketchup. Il y a plein de choses bonnes dedans. Mais c'est juste que la pâte, elle est pas cuite. Ouais, la pâte, par contre, elle est blanchâtre. Montre-toi. Ouais, moi, c'est pire, je crois. Sur 10, je mettrais un 2. Au niveau du goût. Ouais. Au niveau du visuel, je mettrais un 6,5. Ouais. Parce que c'est mignon. Mais ouais, on dirait une pizza de CP et la pâte pas assez cuite, quoi. Bon, eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. La petite cloche aussi, hein, ouais, c'est important. C'est vrai, c'est très important, la petite cloche. N'hésitez pas à la mettre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les petits potes.